Jean de la Vache était un escogriffe maigre, un peu cinglé, qui vivait avec sa braillarde de mère dans une vieille ferme bancale et de partout fondue. Cet hiver-là, il avait gelé à faire pâlir le nez violet du Séraphin, le plus grand ivrogne du coin, et le printemps pourtant annoncé semblait corps et bien perdu dans les brumes. Du coup, avril survint, alors qu'on claquait encore des dents sur des dîners de vent. Un matin, la vieille réveilla son fils d'une bonne gifle bien appliquée afin de le réchauffer. « Jean, nous n'avons plus rien à manger. Même les rats renoncés à végéter notre garde-manger. La seule solution, c'est de vendre la vache. Oh, elle est bonne un peu maigre, mais elle vaut pas ses 100 écus. Va donc par le grand chemin et débrouille-toi pour la fourguer au premier richard que tu croiseras. » Il jura que pétard du nom de Lucifer, sur l'heure, il s'en occupait et lui ordonna aussitôt de la sortir de l'étable. Il chaussa ses sabots, enfonça son béret sur le crâne et s'en fut, l'enjambée longue et décidée, le genou cagneux, tirant derrière lui l'unique animal du troupeau familial. À une bonne heure de marche se dressait un monastère au beau portail ouvragé, aux tours larges d'épaules, aux belles fenêtres luisantes. Comme Jean longeait les murailles, il tomba nez à nez avec l'abbé du lieu qui, le saint homme, faisait sa promenade matinale en lisant son bréviaire, son visage chafouin sous son capuchon fourré. L'abbé leva le menton, bomba la bedaine, considéra par-dessus ses lunettes le garçon
et sa bête, étonnés de les rencontrer à cette heure-ci. Ils se saluèrent. Qui t'a fait tomber du lit pour être déjà ici de si bon matin ? Parabé, j'ai cette vache à vendre. Et écoutez, pour 100 écus, elle est à vous. C'est ce menu bestiau que tu appelles vache. Selon mon œil, il s'agit d'une chèvre. Ah, pour une chèvre, j'admets aisément que c'est une fort belle chèvre. Mais jamais tu ne la feras passer pour une vache, voyons. Vous voulez plaisanter sans doute ? Ou vous voulez m'emberlificoter ? Laissez-moi rire, ça, une chèvre ! Combien voulez-vous parier ? C'est bien une vache. Ce que tu voudras. Tiens, prenons pour arbitre les frères du monastère. S'ils disent que c'est une vache, je te donne 100 écus. S'ils disent que c'est une chèvre, tu perds la bête et l'argent, d'accord ? D'accord. Sacré nom d'une pipe. Il faut que je sache qui, nous deux, est un rigolo. Ce bougre d'abbé sous des airs patelins était un fiefé filou. Les voilà donc entrant dans la cour du couvent. Le père abbé sonne la cloche pour le rassemblement et, lorgnant discrètement le ciel, un murmure sournois au coin des lèvres, passant de l'un à l'autre, affranchit tous les frères aussitôt accourus. C'est une chèvre, c'est une chèvre. Quand l'assemblée est au complet, il présente l'affaire. Regardez bien cette bête, regardez-la avec attention. Dites-nous, est-ce une vache ou une chèvre ? Et tous les moines de répondre en chœur avec leur belle voix de basse profonde. C'est une chèvre ! Un petit moine freluqué, le vénérable du groupe, se paie même le plaisir d'ajouter facétieux un bêlement solitaire. As-tu entendu mon fils ? Une belle chèvre, c'est sûr. Mais pas une vache, tu as perdu ton pari. Jean resta quoi ? Toute l'assemblée des bons pères le considérait l'œil candide avec un faux air de compassion, tandis que le père abbé, les mains jointes, se les frottait mentalement. Jean mit un léger temps avant que la moutarde ne lui monte au nez, il serra les poings et sa colère rentrée le fit quasiment blasphémer en ce saint lieu. « Sacré tonnerre de myriades de coquines du diable ! Me voilà berluré !» Jean de la Vache revient chez lui, traînassant, le nez bas, les bras ballants, le moral dans les sabots. Arrivé à la ferme, il lui faut bien raconter sa mésaventure à la mère.
La vieille pâlit, se jette sur sa poitrine en pleurant, l'embrasse désespérément, maudit ces foutus diables de moines, puis soudain s'illumine, pointe l'index au ciel, rugit, flanque un coup de poing dans l'œil ébahi de son fils qui en reste tout étourdi. J'ai une idée! Bah, pas moi! Déguise-toi en bonne femme, tu pourras cacher sous tes fruches notre bon vieux gourdin de chêne. Va demander l'hospitalité au monastère. Quand tu te trouveras seul avec ce vieux grigou d'abbé, tu sortiras bâton de tes frusques et à grands coups, tu lui feras cracher un à un les cent écus qu'il nous a carottés. Vas-y, franchement, qu'il en reste plat comme du plâtre. Ah, fameuse idée, la mère. J'y vais, j'y cours. Il ne perd pas une seconde, fouille avec elle dans le coffre où s'entassent ses hardes, se saisit d'une jupe surannée et fanée dont il s'en juponne, puis, ainsi attifé, il s'emperruque de crin, se farde de plâtre. Sa mère l'observe sous toutes les coutures et, satisfaite, jure qu'il est transformé en vieille bigote plus vraie que nature. De rechef, le voilà reparti, l'enjambée longue et décidée, le genou cagneux, toute voile dehors, prenant garde à ne pas se prendre les pieds dans la jupe. Proche du couvent, prudent, il ralentit l'allure et se met à trottiner, le dos courbé, la tête penchée, une véritable petite vieille harassée. Des fois qu'on rencontrerait du monde dans les parages, il s'agit de ne pas se faire surprendre. Bonne idée, car non loin du monastère, il se trouve soudain nez à nez avec l'abbé qui fait cette fois, sa promenade vespérale. Ce dernier s'arrête devant lui, dubitatif, se demandant qui peut bien être cette paroissienne inconnue parmi ses ouailles. La paix sur vous, mon père. Accorderez-vous l'hospitalité à une pauvre pèlerine bien pieuse qui marche sur la route de Compostelle ? Entrez donc, bonne mère, entrez. À peine sont-ils dans la cour que sonne la cloche du dîner. Jean le partage avec les moines dans le grand réfectoire. On le conduit ensuite dans le grenier où des paillasses sont disposées pour accueillir les pèlerins de passage. Vers minuit, n'entendant plus qu'un concert de ronflements dans la bâtisse obscure, il se lève, descend à pas menus l'escalier, emprunte le couloir jusqu'à la cellule du père abbé, entre discrètement, réveille le bonhomme d'une beigne bien appliquée et sort son gourdin. Mais sans écus, sinon, par le pif du grand Saint-Ténor, je te casse la caboche. Et il s'emploie à rouer de coups le pauvre abbé qui, plus pâle que la lune et tremblant comme un peuplier, finit par lui désigner le tiroir de sa commode. Alors Jean rengaine son arme, en un clin d'œil attrape le sac de pièces d'or. Pas le temps de se frotter les mains, voilà du bon travail vite fait, bien fait, il décampe à toutes jambes. Sur le chemin, il file comme le vent, la jupe dansant autour de lui, la perruque ébouriffée.
à la ferme, la mère s'impatiente, trouvant qu'il ne revient pas vite. Le père abbé aurait-il su modorer le piège? Ces moines ne sont pas idiots. D'autant plus que pour leur faire cracher un simple écu, c'est mission impossible, même en débitant un paquet de neuvaines. Cet abbé, excusez-moi mon Dieu, a les doigts plus crochus que le malin. Mais au moment où elle doute de plus en plus de la réussite de leur plan, elle l'entend arriver galochant sur le chemin. Dès la porte poussée, il fait tinter sa provision d'écus et elle en est toute ragaillardie. Pas joué, mon gars! Maintenant, faut récupérer notre vache. Ben moi, hélas, pas d'idée. Mais toi, t'en as peut-être encore une autre? Oui, écoute-moi. Demain matin, tu te déguiseras en charlatan. Tu retourneras au monastère avec ce gourdin bien-aimé et tu proposeras au moine de cet onguent qui guérit tout, surtout d'une sacrée roussée. Je savais pas que t'avais ce genre de pharmacie. Grand Nigo, c'est du suif. C'est sûr qu'ils te feront rentrer chez l'abbé. Ce vieux Grigou insiste afin de rester seul avec lui. Pour le soigner, évidemment. Ensuite, tu recommenceras à faire danser le gourdin, rosse-le jusqu'à ce qu'il te rende la vache. Ah, fameuse idée, la mère! Demain, j'y cours, j'y vole. Dès que l'aube point, Jean, tôt levé, se colle une barbe au menton, se coiffe d'une vieille toque de loup, se ceinture de flacon. Il va la récupérer, sa vache, certainement. Celle qu'ils ont voulu prendre pour une chèvre, non mais... Bande de brigands, ils vont voir de quel bois il se chauffe, le gageon. Et il serre fort contre lui son bon vieux gourdin. Il ne perd pas une miette de temps, fin prêt à en découdre, et quatre à quatre foncent vers le couvent. A-t-il braillé deux ou trois fois la pommade miraculeuse sous les fenêtres du monastère, qu'un moine apparaît, le dos courbé, les mains agitées. Il lui confie d'une voix altérée que le pauvre abbé, cette nuit justement, a chuté dans les escaliers, qu'il en est tout meurtri et souffre le martyre. Jean le rassure, il possède exactement ce qu'il faut dans ce cas. Avec l'aide de sa merveilleuse pommade de Saint-Alto, il va vous le remettre sur pied sans tarder, le père abbé, on peut lui faire toute confiance. On le conduit donc à la chambre où gît le courbattu. Il demande fermement qu'on l'y laisse seul, le secret médical, n'est-ce pas? Dès la porte refermée et son guide éloigné, il arrache sa fausse barbe, brandit le gourdin et l'air terrible réclame sur un ton péremptoire « Ma vache !» L'autre, tout bégayant, tout effaré, lui répond dans un souffle qu'elle l'attend et le mollet boiteux le conduit à l'étable. Jean s'en retourne à la ferme, chevauchant son bestiau en sifflotant gaiement. Sa mère, qui le guette sur le pas de la porte, l'entend arriver de loin et court au-devant de lui. Elle voit l'équipage, et donc la vache revenue, de joie elle esquisse deux ou trois pas de danse. «
tout excité. Elle lui explique son nouveau plan. Dépêchons-nous. Fabrique vite une femme de paille, puis je l'habillerai, et ensuite tu la pendras à la poutre de la cuisine. Jean la regarde d'un air éberlué et lui fait répéter, lui demandant auparavant si elle est bien sûre de ce qu'elle raconte. Fais-moi confiance, pas le temps de s'expliquer, tu comprendras plus tard. Pendant ce temps, au monastère, l'ambiance n'est guère au beau fixe. Père Abbé est fort mal en point et bien sûr d'une humeur de chien. Il a mal partout, mais c'est surtout sa belle bourse pansue, gonflée de tant d'écus, qui le fait cruellement souffrir et le rend amer. Il ne cesse d'y songer. Même en lisant son bréviaire, il se surprend à marmonner des chiffres, sans doute recontant sans le vouloir ce qu'il s'est fait voler, une lancinante obsession. Tournant et retournant le problème sous toutes ses formes, il prend finalement une décision difficile. Il réunit ses moines et leur tient ce discours. Très chers frères, en vérité, je vous le dis, ce vaurien de Jean de la Vache nous a bel et bien chouravé, cent écus sonnant et trébuchant. Intolérable. Il nous faut absolument les récupérer. Nous allons commencer par la manière douce. Je vais envoyer notre jardinier avec deux mulets chargés de légumes de notre réserve. En échange, nous lui ferons demander aimablement de rendre ce sac de belles monnaies dont la perte m'a fichu le bourdon. Ainsi présenté, il ne pourra guère refuser. Et dans le cas contraire, eh bien, nous aviserons. Thank you.
Une heure plus tard, voilà donc le jardinier du couvent et ses deux mulets qui font halte devant la ferme de Jean de la Vache. Jean l'invite à entrer dans la cuisine pour bavarder à l'aise et boire un café. Le bonhomme, sur le seuil, sursaute, se frotte vigoureusement les yeux à deux poings. Oh, par saint bariton, ai-je la berlue ou est-ce bien une femme proprement pendue que je vois là? Ne t'inquiète donc pas pour point pour cela, ce n'est que ma mère. En lavant la vaisselle et hier soir, prise par que je ne sais quel désir de dévergondage, elle a osé siffler une chanson paillarde devant moi. Non, mais elle méritait d'être punie. Alors voilà, je l'ai pendue, c'est tout simple. 1 000 000 000 de carcasses de libellules, il est complètement cinglé. Un homme qui pense à mère pour une telle broutille est capable de tout. Oh, saint soprano, protège-moi! Il prend la main de Jean de la Vache, la secoue avec l'empressement d'un colporteur pris de coliques soudaines, et lui dit de tout garder, les mulets, les légumes et même les 100 écus. Si pressé de fuir, il en oublie la porte et saute prestement par la fenêtre. Porte-toi bien! Et il s'enfuit sur le chemin comme un voleur. Thank you.